malheureusement il n'y avait pas beaucoup de monde, beaucoup moins, de, 4 fois moins de monde que d'habitude, que les rassemblements que nous avions organisés les autres samedis, pas les week-ends, les autres week-ends. Peut-être pas un peu par manque d'information, un peu aussi par le découragement, peut-être qu'ils pensent que le pouvoir algérien ne va pas céder, mais bon là je pense que je crois parce que le pouvoir algérien ne veut pas échapper à la, je dirais, au bouleversement à l'échelle du monde arabe. Il faut des changements, un changement radical sur le plan institutionnel d'abord, politique, la démocratie, etc. L'égalité des droits des femmes, la laïcité, mais aussi la justice sociale également, c'est très important. Principalement offrir un avenir à la jeunesse algérienne qui est laminée par le chômage à de très grande ampleur. Voilà. Et pour régler une partie de ces problèmes, c'est déjà la lutte contre la corruption, parce qu'une des sommes importantes sont détournées au profit d'une mafia, au lieu que ce soit dépensé pour créer des emplois en Algérie, pour créer suffisamment de construire suffisamment de logements, etc. Célébrons aujourd'hui le 19 mars. Date du cessez-le-feu qui a permis l'indépendance de l'Algérie, indépendance qui malheureusement a été confisquée, indépendance qui promettait la démocratie et la liberté. C'est une indépendance qui a été confisquée par un système qui est en place encore aujourd'hui, un système qui a géré le pays par la manipulation, la corruption, la gabegie, la corruption des élites qui est beaucoup plus grave. Et qui a comme seul objectif de partager cette rente en hydrocarbures. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, une économie basée sur le partage de la rente débouche nécessairement sur un système politique oligarchique. Et donc, la CNCD Coordination Alger est sortie sur la place du 1er mai, comme d'habitude, comme c'était convenu de le faire. Mais avec les mêmes moyens et la même réaction de la part du pouvoir algérien. Il y a à noter aussi un rassemblement des jeunes qui ont lancé un appel sur Facebook et qui se sont rassemblés à la Grande Poste, c'est en plein centre d'Alger aussi, mais qui ont été empêchés aussi de manifester et de se rassembler de la même manière. Les amis de l'autre côté de la Méditerranée, chaque samedi, ils se confrontent aux forces de police que leur envoie à bout de fléra. Ils se confrontent aux voyous. Ils se confrontent à tout ce qui peut les empêcher de se rassembler. Et ils se confrontent surtout chaque jour à ce système mafieux et corrompu. Je voudrais insister sur un point important puisqu'on est en émigration et saluer le rôle qu'a pu jouer cette émigration dans la guerre de libération nationale et le rôle que cette émigration va jouer dans la démocratisation du pays. Cette émigration a été toujours proche de son pays d'origine et nous comptons en Algérie, les Algériennes et Algériens comptent beaucoup sur cette émigration pour un changement. Cette situation ne veut plus durer. Gérer le pays par la manipulation, par la corruption des élites, ce qui est encore plus grave, et par une certaine complaisance de la communauté internationale, ça ne peut plus durer. Alors, j'insiste sur cette communauté internationale qui, aujourd'hui, est en train de changer. La communauté internationale qui jusqu'à hier privilégiait la stabilité au détriment de la démocratie, aujourd'hui on sent que cette stabilité doit absolument être couplée à la démocratie, à la légitimité des institutions et donc à une démocratisation de la vie publique. Donc merci à tous, merci d'être venus, merci d'avoir été présents. On vous communiquera de toute façon la prochaine action de la série.